précédemment dans les aventures de Wonga. Alors, je m'appelle Doug McFlurry. Bonjour, Mr. Wonga. Wonga! 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 Monsieur, arrêtez de courir ou nous devrons tirer! Wonga! Merci beaucoup, messieurs. Merci, on se voit bientôt. Bendig. Soyez prudents. Wonga! Actez que village à nous devenir village pirate, Wonga! Je comprends ce que vous dites, mais sachez que voilà, comme le dit monsieur Wonga, il y a le plus du sang à payer. Le sang a été versé, le sang doit être versé. Nous faire danse tribal autour de feu, Wonga! 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 Monsieur le maire? Non, c'était un blocage, monsieur le maire. Faites vite, Wonga, s'il vous plaît. Toi, ouvrir porte, vite! Allez, monsieur, vous savez ce que vous avez à faire, monsieur Koulba? Voici trésor de Barberaz, Wonga! Ça être premier des 8 morceaux de cartes au trésor pour retrouver le plus grand trésor des mers. Wonga! Wonga, partir! Wonga! 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 Après que grand combat avoir échoué et mère enfui, nous avoir décidé de partir à la recherche du deuxième morceau de carte au trésor de Barberaz. Wonga! Nous avoir été jusqu'au fond des mers pour trouver lui, et ça avoir été dur, car Wonga pas vouloir aller dans l'eau. Alors Wonga avoir mis mouche dans tonneau, Wonga! Et avoir plongé au fond de l'océan, Wonga! 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 Wonga avoir bien travaillé. Wonga rentrer village. Wonga avoir travaillé toute la journée. Nuit bientôt tombée. Donc Wonga rentrer chez lui. Wonga profiter pour montrer à vous maison de Wonga. Wonga passer par derrière. Wonga. Ça va être maison de Koulba. Wonga. Ça va être mairie. Wonga. Ça va être maison de Cynique. Wonga. Ça va être maison d'Alex. Wonga. Wonga. Bonjour Wonga. Wonga. Espèce de gros sac, t'es où? Wonga. Wonga, où êtes-vous? Wonga, vous êtes chez Wonga? Chez toi, Wonga. Wonga, quoi faire-vous chez Wonga? Tu nous as donné rendez-vous ici, Wonga? Wonga, rien à voir dit, Wonga. Mais si. Wonga, quoi faire-vous dans la maison de Wonga? On t'attendait. Qui a avoir fait caca dans la maison de Wonga? Hein? Qui a avoir fait? C'est pas moi, Wonga. Madame Des. Wonga, regardez qui est-ce. C'est la rigolote qui a fait caca. Wonga, ça va être caca de... Tu vas sentir encore. À l'improviste, Wonga. À l'improviste, avoir fait caca dans la maison de Wonga. T'as récupéré le caca à toi. Voilà, Wonga. Bon, ça suffit de jouer avec les excréments, là, Wonga. Oui, mais lui, faire caca dans la maison de Wonga. Maison de Wonga, oui, être, bon, bah, être propre, Wonga. Ouais, grâce à l'amiral, d'ailleurs. Oui, Wonga. Amiral avoir construit une belle maison pour Wonga. Ok, Wonga. Tout le monde être là, Wonga? Non. Balancer, nous. Non, ils arrivent. Mais nous faire. Pourquoi nous faire réunion dans la maison de Wonga? Nous pouvoir faire réunion à mairie, Wonga. Merci beaucoup. Mais c'est toi qui nous a dit de venir ici, Wonga. Wonga, encore caca dans la maison de Wonga. Qui a avoir mis caca ici encore? Wonga, toi pouvoir t'asseoir chez Wonga. Bonjour. Wonga, bonjour le bec. Wonga. Ça sent le Wonga, règle chez Wonga, le bègle va pouvoir parler, Wonga. Sinon, Wonga tapait le bègle. Pourquoi? Parce que Wonga en avoir marre d'écouter le bègle prendre 30 ans à parler, Wonga. Wonga, c'est pas de sa faute en même temps. Hein. Oui, mais lui pouvoir faire effort. C'est pas ma faute. Moi pouvoir corriger problème à toi, Wonga. Toi vouloir Wonga corriger non, problème Wonga, à toi. Tu vas faire qu'empirer les choses, Wonga, je pense. Attention, c'est pas parce qu'il est bègle qu'il sait pas se défendre, Wonga. Wonga pouvoir régler problème de le bègle, Wonga. Toi vouloir moi réparer, Wonga. Bah, je peux te faire maigrir si tu veux. Wonga, toi vouloir agresser, Wonga. Toi.
Toi avant taper Unga. Toi avant taper Unga. Pas commencer à taper Unga, ça va partir en sucette et finalement la maison de Unga va être détruite encore. Toi avant taper Unga. Toi revenir voir Unga. Montez tous sur la table, on va se faire tuer sinon. Toi venir voir Unga. Toi venir voir Unga. Toi venir voir Unga. Rien d'inhabituel, je dirais. Unga. Oui, toi avoir voulu jouer avec Unga. On commence à avoir l'habitude des pirates. Lui avoir voulu jouer avec Unga. Moi avec des problèmes de toi, Unga. Bon, Unga. Unga est bloqué. Alors, Unga bloqué. Ok, Unga. Nous pouvons nous asseoir. Unga. Unga. Ah non, le mec dort. Lui se réveiller plus tard. Unga. Ok, Unga. Pas gentil ça. Onga, le bègle parlait normalement, Onga. Ça n'a rien arrangé. Onga. Onga, mauvais chirurgien. Onga. Oui. Onga refera plus tard. Ça... Onga sait faire beaucoup de choses, mais la médecine, c'est pas son truc apparemment. Onga, très bon menteur, mais mauvais médecin. Onga, ok, pirate, être Onga. Là, Onga. Onga a profité de soirée pour discuter avec Pirate Onga. Ah. Parce que... Une discussion autour d'une table avec de la bonne bière, du rhum. Onga, content. Des amis pirates. Onga. Ok, Onga. Nous, hier soir, nous avoir eu mauvais affront. Onga. Nous avoir été trahis par village. Onga. Et... Onga... À l'improviste, avoir perdu combat. Onga. Lui être honte des pirates. Onga. Lui devoir faire entraînement des pirates maintenant pour devenir meilleur pirate. Onga. Oui, enfin, Onga, j'ai entendu dire que les villageois avaient utilisé des produits un peu étranges et ce genre de choses. Donc, on ne sait pas, hein, vraiment. Oui, mais lui avoir quand même perdu. Onga. Okay, mais c'est ça vrai. Pas être problème. Onga. Problème être que nous être allés dévaliser village, Onga. Et nous avoir été repoussés. Eux pas être si petits finalement, Onga. Nous avoir sous-estimé eux, Onga. Mais Onga bien savoir compter. Katen avoir appris à Onga comment compter, Onga. Ouais, monsieur. Onga. Alors. Moi savoir compter, Onga. Quand Onga donnait coup de gourdin sur quelqu'un, Onga. Pièce d'or tombée, Onga. Et Onga récupère une pièce d'or comme ça. Ça aide comment Onga compter. Onga. Une bonne technique, Onga. Oui, ça vient marcher. Captain d'avoir appris à Onga. La technique poirier, ça s'appelle Onga. Ah, bien, Onga. Bien, messieurs, la carte. Je vais rafraîchir un peu la mémoire de tout le monde et vous relire ce que... ce bout de papier plutôt précieux que nous avons trouvé disait. Ok, Onga. Voici le premier morceau de la carte du trésor de Barberaz. Vous connaissez tous Barberaz ici, j'imagine. Pour trouver le prochain, il vous faudra trouver l'épave de mon bateau au large des côtes de l'île volcanique. Bon courage, Moussaillon. Voici ce que dit le message, plus quelques gribouillés. Je mets la carte sur la table si vous voulez. Oui, mon gars. Ça peut être bon. Ah. Ok, Onga, vous regardez? Oui, on est bon, voilà. Onga, ça y est. Ok, c'est déjà 10 minutes, mais bon. Ça, être territoire barbare, ok, Onga? D'accord. Ouais. Ça, être territoire Founas, maintenant, Onga. Ok. Ça, être territoire alors, pour pirate, Onga. Ok. Ouais, mais ça marche pas, alors. Eh, hey, Onga, pas moi avant fini. Il y a une île où le maire a une habitation. Oui, mais nous, on enlever l'habitation. On va détruire tout ça. On va le chasser. Ouais. Ici, être village. Onga. Ok, Onga. Okay. Oui, c'est vrai. Ok. Ça, être île devant village, ici. Onga. Oui. Et si nous partir comme ça, Onga, comme ça, nous arriver dans zone triangle des Bermudes, Onga. Ah oui, d'accord. Ça, il être ici, Onga, par ici. C'est l'île à lui, ça, Onga.
Oui, ça, être île volcanique. Ah. Onga. Oui, c'est bon, je sais où c'est bon. Intéressant. Finalement, elle était même pas dans le territoire des barbares, cette île, alors. Non, ouais, non, pas tout à fait, Onga. Mais nous avons prévu... quoi, aller dans l'eau, Onga? Oui. Oui, Onga. Tout le monde à voir, Onga. Oui, on a même fait des plongées pour les mouches de Onga, alors. On a du matériel. Onga avoir pris coffre pour mettre mouche dedans, Onga. Onga avoir des dessins en dos, hein. Qui avoir décidé sur Onga? Joli dessin dans le dos. Onga avoir grosse bite dans le dos, Onga. Onga, je t'ai déjà dit d'arrêter d'utiliser ce genre de mots. Oui, Onga. Ah, où est-ce que tu es? Onga être ici, mais Onga avoir problème dans le dos. Ah, effectivement. Elle est plutôt bien dénée, Onga, donc c'est bien. Onga pas content. Plutôt bien exécuté. Mais Onga se venger. Bon, moi je vais me repentir un petit peu sur la tombe de Jack, notre ancêtre. Préparez-vous, messieurs, et dès que tout le monde est prêt, on s'en va. Nous partir de nuit, Onga? On commence de nuit, alors, on va avoir dans la journée, ne vous inquiétez pas. Le plus vite possible. Oui, Onga, nous attendons le barde, mais le barde met tellement longtemps à se réveiller, Onga. Donc on l'attend dans le bateau. Onga, arrête de renifler le cul de Captain. Ça peut être moi avoir confondu cul de Captain et fleur, Onga. Onga, t'as vu la nouvelle barrière pour la porte d'entrée? Onga, ça va être une belle barrière, Onga. À moins d'être sûr que personne rentre. Ouais, Onga. Onga, voir terre, Onga. Terre devant nous, Onga. C'est l'île qu'on aperçoit là-bas, Onga? Non, Onga. Il est à droite, mais caporal pas bien visé, Onga. Non, je vais sur cette île, monsieur. C'est un amiral. Amiral, hein. Ah, pardon. Onga, soyez un peu plus précis. Ouais, c'est pas tout à fait pareil quand même, Onga. Onga, amiral, toi, allez à droite, Onga. Oui, je tourne doucement. C'est l'île qui est devant moi là. Oui, ah, c'est ce bout de caillou qu'on voit au loin? Ok. Ouais. Effectivement, on a encore un peu de mer à faire. Ouais, mais Onga pas très patient. Onga lui, quoi, aller vite. Ah, bah ça, c'est Onga de toute façon. Mais si Onga serait moins lourd, on irait plus vite. Toujours faute à Onga. Quand quelqu'un tombait, Onga faute à Onga. Quand nous aller trop vite, Onga faute à Onga. Nous pas aller assez vite, Onga faute à Onga. Quand quelqu'un a avoir faim, Onga, faute à Onga. Onga en avoir marre, toujours faute à Onga. Onga, boudé, Onga. Onga, laissez-vous trouver trésor, Onga. Onga, pas chercher, Onga. C'est ça parce que c'est de l'eau, ça sert de bonne excuse. Ah ouais, excuse bidon, comme lui. Il cherche une excuse depuis le début, en fait. T'as besoin de pas se laver. Toujours foutu. Les sont des peureux. Ok, messieurs, nous arrivons à plus à droite. Onga. Va-t'en savoir. Oui, t'inquiète pas. Je sais. C'est à nous, vous inquiétez pas. C'est à nous, ça? Oui, la construction qu'on gagne, monsieur Koulba. Ça va être chez nous. Très bon boulot, messieurs. C'est vrai, c'est du joli travail. Un bataclage. Il fait extrêmement chaud ici. Vas-y, j'ouvre la porte, pourquoi vous attendez pas, j'ouvre la porte? Oh, vous êtes pénible, hein? Effectivement, il fait chaud ici, messieurs, hein. On sait très bien, ça vous inquiétez chaud. Pas. Nous allons dans la maison là-haut, vite, Onga! Pour une fois, il a raison. Onga! Onga! Moi, avoir lu carte dire que épave être pas loin de île volcanique, Onga! Maintenant, vous devoir faire plan pour pouvoir trouver épave, Onga. Onga, plus rien dire, Onga. Nous suivre, Onga. Non. Onga. Si. Onga, pas aller d'en haut. Onga. Si. Attends, Onga, attends, petit Onga. Il faut faire un plan des sous-marins, c'est ça?
Onga, vous faire stratégie, Onga. Bon, mais on a qu'à plonger ici déjà, y a quoi déjà, quand on plonge ici, y a une sortie sous-marine. Donc on pourrait déjà commencer par explorer par ici. On peut commencer par là. Moi je vous propose qu'on reste tous groupés par contre. Hein. Oui, c'est peut-être mieux. Moi je dis on... Ah, il faut attendre monsieur capitaine, ça va plonger. Oui, Onga, nous attendons le capitaine. Onga. Nous, Onga. Oui, Onga, vous suivre juste, Onga. Oh. Je crois que Onga n'allait pas dans l'eau. Oui, mais Onga avoir mis mouche en sécurité, Onga. On passe à l'heure, tu les amis. Ok. On y va. Onga. Monsieur capitaine, wow. On s'est dit qu'on allait commencer par explorer ce qu'il y a ici. Oui, c'est une très bonne idée. Pauvre Onga. Onga, pas descendre. Allez, Onga, vas-y. Regarde, Onga. Fais un effort. Tu fais comme ça, tu sautes et yahoo! Onga! Peut-être se regrouper tous ici dans un premier temps déjà. Onga! Oui, je fais de lui là, toi. Wow, en tout cas ce matériel de plongée est vraiment superbe. Vous êtes sexy. Monsieur, comme ça. On cherche une épave, hein. N'oubliez pas. Vous êtes sexy. Okay. Alors je sais que j'arrive à vous parler sous l'eau, mais bon quand même. Là on a des radios. Voilà, c'est ça. Toki woki. Tout le monde est là, c'est bon? Tout le monde est là? Vous êtes parti, mais. Onga! Ils sont partis devant. Onga! C'est vraiment magnifique. Waouh, messieurs. Oui. Vous voulez plonger plus profond encore? Ouais, c'est la stamina, chef. Pourquoi pas? Beaucoup de stamina. Mais normalement, elle devrait remonter, non? Non, elle devrait remonter. Après le sang. Nous utiliser grappin okay. Pour se déplacer pour économiser stamina. Onga. Ils m'ont fait remonter déjà. Ok, Onga, vous venir vers moi, Onga. Onga, vous me suivre. Sticky, Onga. Ouais. Toi me suivre, Onga. Ouais. Toi pas te faire bouffer, hein. Moi avoir tout requin du monde. Onga, je suis qui, le requin ou toi? Onga, encore requin. Vite, toi venir vers moi. Par ici, Onga! Parce que moi je suis parti vachement loin par là, là, mais c'est tout plein, y'a rien. Onga! Et pas okay. Être juste en dessous, Onga! Toi arrêtez là! Tu l'as trouvé, Onga? Oui, Onga! Tu as donné potion magique à tout le monde! Ouais, mais attends! Onga, combattre requin! Non, Onga, plus avoir stamina! Ah! Reviens sur le bateau! Onga, être en haut! Vous allez voir ce que je vais en faire, moi, des requins. Ok, Onga. Qu'est-ce que c'est vous, ça? Vous venir voir Onga derrière, Onga. Casse-toi! Attends, requin, Onga. Des sushis, des sushis. C'est bon? C'est bon. Oui, Onga. Potion magique. Tu es le dernier. Allez, alors allez en dessous, c'est ça, Onga, tu dis? Attendez, Onga, distribuez-vous potions de village à lui, Onga. Oui, parce que nous, on ne peut pas avoir de stamina, ni d'oxygène, ni de machin chouette. Oui, pas besoin. Toi, fais pas de tomber. Oui, mais Kulba, eux, pas savoir aller bien dans l'eau, alors moi, préférer donner ça à eux. Et puis, nous, avoir besoin de plus de stamina, par contre, parce que vous comprendrez en bas, Onga. Ok, vous prendre un de chaque. Ce qu'il faut, c'est avoir descendre, c'est manger 20 steaks. Messieurs? Oui, Onga! Elle est dégueulasse ta potion, Onga, mais je sens déjà les effets. Onga! Le goût, il est par contre. Nous toi, monter! Hein, mais bon. Toi, prendre potion! Onga! Aussi dégueulasse. Chacun prendre une potion de chaque, avoir deux potions.
une potion pour respirer sous eau et une potion pour avoir endurance plus longtemps. Mon gars. Monsieur Captain, j'ai votre bouteille. J'ai goûté l'autre. Je vais regarder là, ne vous inquiétez pas. Ah, l'autre est un peu meilleur, mon gars, par contre. Ah oui. Mon gars, avoir fait avec recette à lui. Mon gars. Ouais, bah ne me dis pas ce qu'il y a dedans, je préfère pas savoir. Mon gars. Ah, du caca. Et des couilles de mammouth. Quand vous êtes prêt, vous vous dirigez vers Onga, à l'arrière, Onga. Prêt. Allez. Bon, j'espère que c'est la dernière fois qu'on plonge, parce que je commence à avoir le... Vous préparez arme, vous prendre lance, pardon. Onga. Merci. On sait jamais. Bon, moi j'ai plus de flèches. Quelqu'un aurait-il des palmes à dépanner? Ah non, monsieur le bar, désolé. Ah, mars. Toi devoir utiliser... En dessous, en dessous. Toi, oui, mais vous suivrez moi quand même. Ou ah. Quelqu'un aurait-il peut-être un grappin à prêter, pour que je puisse avancer plus vite? Onga, plus rien à voir. Vas-y. Mais tiens, Onga, moi donnez-toi palme. Onga a nagé normalement, tant pis. J'ai envie de descendre quand même. Non, Onga, t'inquiète pas, pas besoin. Toi avoir pris Lazarus, Onga? Oui. Ok, Onga. Vous suivrez Onga? Peut-être quelqu'un peut me grappin pour me faire suivre? Moi, pas avoir de grappin, Onga. Mais où être eux encore partis? Eux encore râler parce que eux mourir? Merci bien. Vous suivre moi. Ah, eux être en bas là. Onga. Ouais, je pense. Onga. Effectivement, Onga. Ça va pas être assez gros pour vous trouver, Onga. Elle est bizarre, elle est pas. Si, mais s'il nous pas passer à côté, forcément, nous jamais la voir. Hein. Mais oui, belle, Onga. Hein. C'est ça le bateau alors, Onga. Oui, Onga. C'est incroyable qu'on arrive à parler sous l'eau quand même. Oui, Onga. Nous l'avons trouvé. Ok. Maintenant, Onga, regardez-vous. Non, mais c'est un labyrinthe là-dedans. Merci. C'est le bateau de Barbaraz, faites attention quand même. Hein. De rien. C'est un labyrinthe. Oh, il y a des balles dans le baril, je peux les prendre, vous pensez, monsieur Onga? Bah, Onga. Hein. Nous être pirates, hein. J'ai pris les balles, hein. c'est des vieilles balles, elles ont pris l'eau, mais... Ah bah prenez tout. Une belle rareté. Oh, ça c'est bien ça. Oh, des belles épées là. Oh oui. Mais... Est-ce qu'on aurait vraiment trouvé l'épave du capitaine Barbaras? Onga! Nous devenir riches, Onga! Ce serait le coffre. Oh, des balles. Mon gars, cool bas. Ça va être attendre nous, mon gars. Il va falloir qu'on la. Cool bas, toi attendre nous. On la raffine la poudre. Ah, pardon. Elle a dû prendre l'eau. Elle a trouvé le coffre. Oh là là, il y a plein d'armes ici, messieurs. Moi, avoir dit toi d'attendre nous. Des fusils et tout le tralala. C'est un vrai labyrinthe. J'ai trouvé le coffre. Pardon, mademoiselle Dess. On peut rentrer dedans? Onga. Quelqu'un a réussi à rentrer dans le bateau? Onga, avoir trou derrière, Onga. Ah oui. Ah ouais, il y a un trou derrière, Onga, bien vu. Il y a toujours un trou derrière. Merci, monsieur Koulba, de nous faire partager vos, est-ce que l'on sépare, vos connaissances. Écoutez, on peut un peu explorer. Il est où, Onga? Je pars. Onga est ici derrière, vous suivre, Onga. Ok. C'est un vrai labyrinthe ici, en tout cas. Hein. Et dire que le capitaine Barbaras était potentiellement dans ce bateau. Incroyable. Oui, Onga. Je crois avoir trouvé le trésor. Un bateau labyrinthe, quand même. Non, mais c'est l'épave, monsieur Koulba. Elle s'est déconstituée, je pense. Vous croyez? Oui. En tout cas, j'ai trouvé un coffre. Hein. Ah. Quoi avoir un coffre? Onga. Je suis là, monsieur Koulba. Oui. Regardez, le coffre. Moi vous entendre mais pas vous trouver quoi. En effet. Salut. Onga bonjour. Onga. Tu fais ma voix. Je pourrais forcer cette serrure.
Sacré la bien. Oui. Attendez-nous, monsieur le barde. Je vous attends, ne vous inquiétez pas, je prépare mon matériel. Oh là là, il y a un magnifique diamant ici, une pierre d'une toute précieuse. Ah, je sais pas ce qui est arrivé alors. Ah oui, je vois des trous là encore. Je suis un peu dans la perdition. Par contre, moi je meurs de faim. C'est problématique ça. Beau diamant, mon gars. Beau diamant. On a perdu, on a. Ah, voilà. Pareil. Il est un peu perdu. On a. Bon, on va trouver copain, on a. Je suis en train de me noyer, que se passe-t-il? Votre potion ne marche pas, on a. En effet, moi, j'ai failli me noyer aussi. Heureusement que j'avais une tenue de congé. Je n'ai pas de bouteille, je suis en train de mourir. Ah non, le bard est en train de mourir. Tiens, on a. Toi, prends une bouteille devant toi, vite, on a. Oh oui. Oh, je vous ai trouvé, monsieur, le coffre et tout le tralala. Je suis sauvé. Oh, bien, merci. Oh, moi, je suis avec vous aussi. Ça s'est joué à pas grand-chose, hein. Finalement, tout le monde s'est retrouvé, alors. Qui y a dans ce coffre? Nous casser coffre, peut-être, parce que coffre peut-être trop résistant. Ok. Alors, peut-être quelqu'un s'approche et casse le coffre? Ouais, on gars. Doucement. Bon, j'essaye de préparer notre sortie plus rapide. Ah, ok, mon gars. Allez-y, cassez ce coffre, je ne voudrais pas abîmer mes mains. Je me demande si je fais des dégâts à cette chose. Mon gars, coffre cassé. Quoi avoir dans le coffre? Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Une note. Une note? Pas d'or? Non, juste une barre. Le deuxième morceau de la carte de Barberaz. Onga. Le prochain est caché près des deux gros rex de la pierre sur un territoire de chaleur. C'est là où nous étions tout à l'heure, ça, messieurs, je pense. Tout à fait. Rex, alors, en tout cas, ça correspond à ce que nous avons vu. Je prends la carte, messieurs. Et Onga. Remontons. Sortons d'ici. C'est bon, j'ai eu la sortie. Enfin, prêt. Ah, magnifique trou. C'est problématique. Oh, bravo. Onga. Quelqu'un veut-il bien me grappe pour m'aider à remonter? Je suis sur espace. Où es-tu, monsieur le barde? Je vais vous attraper, monsieur le barde, vous êtes où? Je suis en train de monter. Alors, je vous vois. Ne bougez plus. Je crois que... Non, je ne vous ai pas eu, je ne vous ai toujours pas eu. Là, je vous ai. Vous m'avez eu, merci bien. Ah, je ne vous ai plus. Vous étiez trop proche, peut-être. Alors, attendez. On va faire comme ça alors. Je l'ai. Je l'ai. J'ai l'impression d'être un gros poisson. C'est bon, je l'ai. Allez, monsieur le bord, on s'accroche. Je m'agrippe. Allez, on remonte. Bard pas bien nagé, on gars. On gars mieux nager que du bard. Je fais plutôt musique. On gars. Voilà. Nous préparer prochaine expédition prochainement. Prochaine expédition. Oui. Nous allons voir là-bas, mais nous devons nous équiper parce que grande chaleur. On va. C'est vrai. Donc, oui, messieurs, nos prochains objectifs, ça va être de se fabriquer un équipement qui nous permettra de résister à ces grosses chaleurs. Oui, et nous battre parce qu'ils peuvent se tirer toi des. Et aussi de se battre, effectivement. Ouais, bah c'est leur base qui est. Par ailleurs, vous parlez de baston, j'ai retrouvé donc beaucoup de balles, de magnifiques épées, de. Moi également, deux épées. Un revolver. Deux fusils et deux fusils à canon scié. Voilà. Oh. Voilà pour ma part ce que j'ai trouvé dans le bot. Onga, bien. Même chose que vous avec 200 poudres à canon. Pour ma part, je trouve une épée. Une épée, venez, je vais la mettre dans un coffre. Rien à avoir trouvé. Onga, j'ai pas trouvé là-bas. Sometimes I feel I've got to. From the pain that you drive into the heart of me, the love we share seems to go nowhere, and I've lost my life. For I toss and turn, I can't sleep at night. Once I'm run to you, now I'll run from you. This stated love you've given, I give you all.
my tears, and that's now nearly all. Oh, they need love, oh, oh, they need love. Oh, baby, baby, have you seen him? It's a night. Is she in the bathroom? Is she smoking up outside? Oh, oh baby, baby, does she take